Et salut à toutes et à tous, c'est Tyrone et on se retrouve pour... Oh, mais pour la suite et la fin du let's play. Et oui, la fin du let's play de Call of Duty 5 sur PlayStation 3. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va. Aujourd'hui, la chute. Et oui, prenez le contrôle du hashtag afin de revendiquer la victoire de la mère Russie sur la machine de guerre allemande. Puis on fera le petit bonus dans une autre vidéo, le zombie nazi. Bon... Je ferai ça rapidement, hein, parce que bon, voilà, juste pour vous montrer un niveau. Hein, vous connaissez, tout le monde connaît ce mode-là, donc voilà, ce sera juste pour le présenter comme vidéo de bonus. Et suivant le temps qu'il y aura, mettre le crédit, tout ça, patapon, patachouette, pataprout. Bref, on est parti pour la chute. C'est parti. Juste, désolé, un bruit de siège. Voilà. La route de notre glorieuse victoire était pavée de sang et de brutalité. Tout cela était nécessaire. Lorsque le drapeau de notre mère patrie flottera au sommet du Reichstag, tout Berlin saura que l'idéologie du Reich fasciste a disparu de la surface de la Terre. Bien, bah, il nous faisait un petit récap de tout ce qu'on a fait. Hein. La chute. 30 avril 1945. Quand Reznov parle de Dimitri, il le présente comme un héros, un homme qui devrait tous nous inspirer. Je l'ai vu faire preuve de clémence, lui commettre des actes d'une rare cruauté. Je n'arrive pas à le cerner. Les héros n'ont peut-être pas besoin de justifier leurs actes. Courage, soldats! La victoire finale est proche! Aujourd'hui, nous écraserons ce qui reste du Reich! Nous rentrerons en Russie en vrais héros! Notre terre, notre peuple, notre sang! La mère patrie a besoin de vous une dernière fois! Ouais, allez, on y va! La garde d'honneur VSS tiendra ce bâtiment jusqu'à la mort! Écrasez les dernières poches de résistance! Oula, ça va être un joyeux bordel. Hop là, voilà, 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 ça commence ce fort. Ok. Bon, faut analyser la situation. Ouais, il y en a partout. Partout. Mosin-Nagen. Hein? Ouais. Vachement utile le bordel. Ouais. Y'a pas quelque chose de plus. Mitraillette, non? C'est pas grave. Bon. Allez, hop, on avance, on avance, on avance. Aïe, tout va bien. Hop, voilà. Oula, oula. Ah ouais. Alors. Ouais. Je sais que t'es là, toi. Voilà. Hop là. Ouais, bah pousse-toi. Ouais, on s'est mis dans un coin un petit peu compliqué quand même. Je voulais. Corde. Ouais, mais pousse-toi, toi. Mais pousse-toi, bonhomme. Ok. Là, on s'est assuré un petit coin tranquille, là. Maintenant. Ok. Ah, mais oui, mais bien sûr, hein, si ça vise à côté. On va pas y arriver, hein. Ok. Mais il y en a partout, Ah là 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 là, mais pousse-toi. Alors. Ça y est, vous allez quand même pas respawn à l'infini quand même. Calmez-vous, hein.
des Allemands. Voilà, on est obligé d'avancer un petit peu. Ouais, donne-moi plutôt ça à la place, ça sera bien plus utile. Voilà. Allez. Bon là, c'est vide. On est d'accord. Là, c'est un couloir. Il nous amène à une porte. Qui apparemment n'est pas utile puisque l'IA ne me suit pas. Donc c'est pas par là. J'essaye de viser celui d'en haut, alors tu me fous la paix. Voilà. T'es eu ou je l'ai pas eu? Je l'ai eu. C'est bon? Ouais. Ok. On avance, on avance, on avance. On fait pas attention à la musique qui bugouille un peu, hein. On connaît le jeu. Personne. Waouh! Bien visé! Vous avez où là? Alors. Non, ça nous. D'accord. Ok. Où est-ce qu'il est passé ce con? Inutile de se cacher. Je sais que vous êtes là. What? Ok. Ok. On avance, on avance, on avance, on avance. Ah, ce passage il est un peu long et un peu compliqué quand même. Hein. Il m'aurait fallu un truc style, ouais, peut-être ça, ouais, pas faux. Ah, j'avoue qu'il y a ça aussi. Voilà. Oh. Aïe. Alors. Oh, bonjour. Non, ça marche pas. Ah si. Ok, alors. Leurs défenses ne tiendront pas. C'est notre chance. À l'attaque. Encore des nazis. Là-bas, sur le bateau. Hein? Et les tous. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Par là maintenant. Ouais. Ah, non, loupé. Loupé. Concentre-toi.
c'est bon. Pousse-toi. Voilà. Bon, pour l'instant ça va, ça se passe bien. Très bien. Continue toi. Quoi? Sérieux? Ah quand même, j'allais dire. Alors. Qu'est-ce que je dois faire? Par là? Ah ouais. Putain, faut... Voilà, tirer dans la bonbonne. Parce que normalement il y en a deux ou trois, je sais plus. Ah, pas de bouger. Bim. Voilà. Et le troisième. Le troisième, je sais pas où il est. Est-ce que déjà il y en a trois? Deux, c'était sûr, mais trois. Non, j'ai pas entendu. Bon bah écoute, hein. Taf. Ça serait sympa aussi de faire un de ces quatre, les snipers élite. J'avais bien aimé les jeux en let's play, mais bon, y jouer ça doit être quand même un peu plus intéressant quand même. Je me fais canarder de quelqu'un, mais qui... Toi? Salut. Eh oui, hein, ça fait mal. Je me doute. Là, c'est quoi là? Ça c'est à nous. La double? La double! Allez! Bif! 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 Allez, la petite dernière pour la route. Bif! Voilà. Bon. Qu'est-ce que je dois faire par là? Ah, il m'attendait de toute façon. Je m'amusais, mais bon. Alors. Enfin, je m'amusais. Oui, non, enfin bon. Bref, vous m'avez compris quoi. La dada dada. Voilà. On s'en sort, tout va bien. Enfin, comme on peut. Ok. Comprennent ça, mais pas obligé. Mmh.
Ouais. Il y en a partout là. On y va. Où c'est? Elle est bloquée de l'autre côté. Ouais. J'ai besoin d'aide. Allez-y. Ouais, let's go. Voilà. Très bien. Tout va bien. Allez, on y va, on continue. Par là. On doit approcher du toit. Regardez comme on est haut. Il faut jeter ces monstres par-dessus le bord. Sergent, nos camarades de l'arrière-garde envahissent le bâtiment. On peut leur laisser nos restes. Il faut qu'on continue vers la victoire. Le cœur ensanglanté de l'Empire nazi. Cessera bientôt de battre. Ouais, oui, non, là c'est ma faute. Là c'est moi, j'ai paniqué. J'ai paniqué, mais normalement on a le point de contrôle. Il faut jeter ces voilà. Monstres par-dessus le bord. C'est ma faute, j'ai paniqué avec la grenade d'en face. J'ai jeté la mienne et du coup, bah voilà. Le fail. LOL. Ouais, je vais le dire. C'est quand même pas encore la mienne que j'ai fail, j'espère. Ah, ah putain, il arrive à me toucher de là, bravo. Ah non, 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 c'est impossible. Enfin, pas impossible, mais chaud. Ah mais tu me fais canarder de l'autre côté là. Ah ouais, par l'autre con là qui est là. Ah mais tu me saoules toi. Tu peux pas être partout. À un moment donné, vous avez pas un peu plus de munitions? Et avec tout ce que vous tirez, je suis en train de me poser la question quand même. C'est bon? Ouais, là c'est bon. C'est là que c'est moins bon. Aïe. Et t'es où? Arrêtez de bouger, s'il vous plaît, que je puisse suivre.
Ah, au fond, là-haut. Oh là là, ouais, d'accord. Ah, je crois que je l'ai vu. Ouais. Maintenant, il y en a un autre qui me canarde. Ah, mais ils sont tout au fond. Ils sont tous là-haut, là. Il y en a un là-bas, je crois. Ça, il y en a partout. Attends. Hop là. Voilà. Me bloque pas, salaud. Eh ben. J'arrête de tirer à côté, peut-être ça irait mieux. Faudrait quelque chose de précis, j'ai plus de minifig dans SVT-40. Il y a des guan. Ah, je sais plus quoi, le nom de l'arme qui traînait partout là. Ouais, ça là. La gueule vert. Alors. Oh putain! Moi je veux bien, mais. C'est pas là, là y'a rien, on prend ça. Là justement c'est un des lieux de la mini, de la, comment on appelle ça, du multijoueur, voilà. C'est scripté hein, de toute manière. Tu y arriveras. Tu survis toujours. C'est honneur. Et voilà. Non mais. Et voilà. Et fini. Bah quand même, par contre. Un des. That the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East.
gathered here representatives of the major warring powers to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. Give man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Document d'époque, mais bon, ils ont quand même pu essayer de mettre une petite phrase en dessous pour traduire. Pour les gens qui ont un peu de mal. Moi, ça va encore, mais... Mais voilà. Donc voilà les crédits du jeu. Voilà, donc on va pouvoir blablater sur cette fin. Combien de temps il y a ? Oh, ça va, on a le temps un petit peu. Donc voilà, hein, un jeu, bien évidemment, qui a été fait avec les... les paroles d'anciens combattantes, d'anciennes combattantes et d'anciens combattants pour faire le jeu. Ça, les jeux, les Call of historiques, ça a été comme ça. Hein. Même aussi, je crois, pour les Battlefield, les histoires du passé sont basées sur ce qui s'est passé en vrai. Donc voilà, après, à la fin, ils ont conclu avec un document d'époque et tout ça pour conclure la guerre et tout. Conclu sur les deux bombes au Japon. Voilà. C'est sûr qu'après, bon, Japon, on pouvait pas faire grand chose avec deux bombes dans la tronche. Déjà que une, ça fait mal, alors deux. Leur pays, il est pas non plus ultra grand. Alors, je sais pas si la musique est un peu trop forte. Dans mes oreilles, elle l'est, donc je sais pas si elle est très très forte comme ça. Au pire, voilà quoi. Non, ça y est, ça se calme un petit peu. Donc oui, voilà, donc bon, on va parler du jeu en lui-même. Et fait, vous... Ah, on a tous fait les cours d'histoire à l'école et tout ça, donc voilà. Franchement, ce Call of Duty 5, c'est un super jeu. En lui-même, à l'époque, c'était franchement un jeu génial. Franchement, excellent. Un solo pas mal, dans l'esprit Call of, c'est-à-dire pas trop long. Bon, suivant comment tu es capable de jouer, hein, bien évidemment, hein, quand vous êtes un PGM, vous jouez dans les difficultés les plus élevées. Moi, je mets toujours, comme beaucoup de mes camarades, on met une difficulté normale pour pouvoir... soit pas trop facile, mais non pas non plus impossible. Voilà. Si vous avez remarqué, quand même, il y a des passages, vous mettriez ça en vétéran ou des trucs comme ça, c'est ultra dur. C'est ultra dur. Mais sinon, c'est très intéressant et très sympa comme jeu. Un bon jeu, hein, à l'époque, même le multi était très bien, avec un seul gros problème qu'il fallait mettre au multi de l'époque, c'est le matchmaking qui était inexistant. C'est-à-dire qu'en fait, au départ du jeu, ça allait très bien, mais quand ils ont sorti des DLC, bah, le jeu, il savait plus. C'est-à-dire que vous étiez dans un lobby où vous aviez pas les cartes, bah tant pis pour vous, vous étiez éjecté du serveur et remplacé par des gens qui avaient les DLC. Merci la musique de se calmer, c'est super. Donc voilà, c'était un peu le gros bémol du multi. Bon, alors comme tout le monde, pourquoi je vous parle du multi? Parce qu'on pourra pas y jouer, il est complètement bouffé par les modeurs, par les hacks et tout ça, donc on peut plus y aller, c'est plus surveillé depuis des années. Donc voilà, c'était un mode multi sympa, mais comme dans tous les modes multi de Call of, il y avait toujours des armes un petit peu plus, on va dire, plus fortes que d'autres. Alors certains diront cheater tout ça, oui, bon, de toute façon ça a toujours existé dans tous les jeux, les trucs qui cheatent. Sinon voilà, c'était sympa, beaucoup d'amusement. Mais à cause du matchmaking, bah, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup, d'ailleurs moi le premier, on était toutes et tous revenus sur Code 4 pour attendre MW2. Voilà. Sinon, bah, pour revenir au solo... Bah, un vrai bon jeu sympa de l'époque, PS3, des jeux que tu pouvais finir sans trop t'emmerder. Graphisme de l'époque intéressant, hein, de toute manière,
Ils ont remasterisé le 4, bon, ils sont pas trop foulés, ils ont juste amélioré quelques graphes du 4 et tout ça, mais bon, ça on en parlera plus tard. Mais pour en venir au 5 en lui-même, c'était sympa l'ambiance de la Seconde Guerre mondiale, des missions des Russes, enfin des communistes on va dire, mais bon, des Russes quoi, et les missions des Américains au Japon. Ah voilà, ça changeait un petit peu du 3 où on faisait ce qu'on appelle les missions en France, les missions de résistants. Enfin, les missions avec les résistants, que ce soit les armées britanniques, tout ça, tout ça, hein, vous en rappelez du 3. Donc là, le 5, c'était un petit peu ben, l'autre aspect de la Seconde Guerre mondiale qu'on n'avait pas fait. Ah oui, et le 2, j'oublie, le 2, on avait fait des missions en Afrique, voilà. Du coup, bah voilà, le 5, c'était, on va dire, les missions avec les Américains au Japon. J'espère que vous m'entendez, hein, parce que le son dans mes oreilles, il est vachement fort. C'est à cause de la musique, hein, c'est juste la musique. Pourtant, je crois que d'origine, elle est bien baissée, mais bon, c'est pas grave. Parlons de la musique, bah, à part les bugs, c'est pour ça que je me mets un peu à parler fort. Alors, désolé, hein, si vous m'entendez très fort, mais je fais ça au cas où si la musique est trop forte. On va pas changer ça, là, à la toute dernière vidéo. Voilà, ce serait quand même con. Non, mais voilà. Non, niveau musique, niveau ambiance sonore, excellent, hein, excellent. Hein, du code historique, c'est toujours des musiques très intéressantes, très très prenantes. Alors bon, on passera au-dessus des bugs, mais c'est parce que mon jeu est fatigué. Comme tout jeu et console, quand vous y jouez énormément, ce qui prouve que quand même le 5, même si j'ai pas trop joué au multi, le solo, je l'ai pas mal poncé un nombre incalculable de fois. On peut le dire, hein, peut-être une bonne dizaine de fois, je sais plus, hein, parce que bon, il y avait des fois où j'avais plus internet, alors je refaisais les vieux Call of. Ça passait le temps, hein. Du coup voilà, un multi intéressant, voilà, un multi intéressant, mais surtout un solo intéressant, sincèrement, moi je me suis bien amusé là à le refaire, et même à l'époque, et j'avais l'impression dans les commentaires que vous aussi, hein, vous avez bien aimé ce code 5, merci d'ailleurs encore une fois. Du coup bah voilà, on va passer au remerciement, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce let's play. Alors il n'est pas tout à fait fini parce qu'il y aura la vidéo bonus avec les zombies nazis. Je suis pas hyper fan du mode en lui-même des zombies, mais bon bref, je vous le ferai quand même, je ferai un petit truc rapide pour juste vous montrer le niveau. Mais voilà, bah vraiment merci à toutes et à tous, c'était vraiment sympa de vous avoir fait ce code 5. J'espère que, bon, bien évidemment, hein, j'ai remarqué qu'il vous a beaucoup plu, donc tant mieux. Alors bon, le prochain jeu, je sais pas, j'hésite entre MW2 et peut-être faire un petit peu autre chose, parce que c'est vrai que ça fait quand même 3 Call of de suite. Donc, de la guerre encore et encore. Bon, à un moment donné, voilà. C'est vrai que, bon, je vais peut-être réfléchir à un autre jeu, on verra. Si je suis vraiment motivé. Y en a qui me parlaient de Formule 1, mais Formule 1, il y a beaucoup de problèmes, je vous le dis encore une fois. Déjà, le jeu m'a pas convaincu. Je suis pas du temps pro, halo et hybride. Donc, déjà là, ça coince un peu. Mais bon, en passant au-dessus de ça, le jeu en fait a pas, pour moi, a pas vraiment évolué par rapport au 18. C'est vraiment juste pour de la poudre de perlimpinpin pour nous faire croire que c'est sympa, non, quand même. D'aspect, il a l'air sympa le jeu. Mais le FFB est toujours aussi apparemment spécial. Un jeu. Avis même de sim racer anglais, donc et non invité par Codemasters, hein, donc voilà, hein, pour être sûr d'être les plus droits possible. Et puis bon, en passant même au-dessus de tout ça, bah, y a un énorme problème, c'est que je n'ai pas la fibre encore, et pour télécharger un jeu qui est très très lourd apparemment, aïe bobo quoi. Voilà, et apparemment il est pas très stable sur certaines personnes, il n'est pas hyper stable, il bug pas mal, donc bon, c'est spécial. Mais bon, si on arrive à passer, je le snobberai pas définitivement, il sera peut-être prévu avec les streams quand la fibre sera là pour pouvoir DL le jeu moins cher déjà, parce que pour moi je mets pas 40 ou 50 balles dans ce que j'appelle, ça n'engage que moi, hein, n'ayez crainte, pour moi une grosse mise à jour du 18. Je mets pas 45 balles dans un jeu pareil. Moi, pour moi, il vaut 20-25, pas plus. Voilà, c'est on dirait un gros DLC. Voilà, un gros mode que tu payes sur e-racing ou sur Air Factor ou Assetto. Bref, après, ça n'engage que moi. Calmez-vous. Voilà, mais il sera peut-être fait. Je vais pas le bouder totalement. J'aime bien quand même la F1. Je suis un
un immense fan depuis toujours, quand même un peu échaudé, mais quand même, ça résiste. Donc voilà, j'essaierai quand même de vous le faire un petit peu quand même. Il sera pas boudé. Mais dans l'immédiat, dans le présent actuel, tant que j'ai pas encore la fibre, ça sera d'autres jeux que j'ai déjà, que je peux faire. Et j'essaierai de changer un petit peu. J'essaierai de changer un petit peu de la guerre, parce que voilà. Trois jeux consécutifs un peu sur la guerre, comptant quand même. Pendant que je faisais F1, je faisais quand même des jeux de guerre en même temps. Donc voilà, on verra, c'est peut-être pas sûr, ou alors je ferai encore de la guerre avec MW2. Ça, c'est... voilà. Ça, c'est l'avenir. Sinon, bah voilà. Merci encore, merci vraiment. Je pense que je vais vous laisser avec la fin du crédit, suivant le temps que ça prend sur la vidéo. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu. Oulala, ouais. J'espère que c'est bientôt fini, parce que bon, voilà, ça va être un petit peu trop long, sinon on va uploader. Voilà, merci à toutes et à tous et à toutes d'avoir suivi ce let's play. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, et ciao tout le monde, à la prochaine.